force et nous dépasse. Mais ils feront tous nos erreurs, qui deviendront leurs erreurs. De cela n'ayez pas peur, le temps corrigera l'erreur et l'amour effacera la peur. Laissez la vie reprendre le dessus, la vie par-dessus. Lorsque j'ai créé l'École supérieure du spectacle, j'ai voulu transmettre ma polyvalence d'acteur, danseur, chanteur, qui me semblait essentielle pour gérer l'expression et l'échange. Au début des années 70, mon projet semblait à beaucoup irréel et inutile, voire irréalisable. L'École supérieure du spectacle a réuni une population d'étudiants de tout âge et de tout niveau, venant de 43 pays différents et de toutes les régions de France. La structure que j'ai mise en place pour leur formation leur a permis de développer une belle compétence pendant la formation, et pour ceux qui ont suivi l'ensemble de 3 années d'études, d'acquérir un niveau professionnel exceptionnel, très apprécié par toutes les productions. Toutes les comédies musicales parisiennes, en général plutôt américaines ou anglaises, ont employé les étudiants que je formais à l'École supérieure du spectacle pour exploiter pleinement leur polyvalence. Ainsi, les vedettes de ces productions bénéficiaient d'un entourage sur scène d'artistes complets qui pouvaient danser, chanter, jouer ou être choristes. J'ai décidé, à la demande de mes étudiants, de créer une comédie musicale entièrement française. J'ai écrit les chansons, musique et paroles, les dialogues, fait la mise en scène et produit ainsi Vanny. Ceci a permis à mes étudiants de jouer dans une œuvre écrite pour eux, dans laquelle ils pouvaient tenir tous les rôles, du premier au plus simple, selon le niveau qu'ils avaient acquis. Cette expérience unique et exceptionnelle, qui dépasse ce qu'offre couramment un centre de formation, leur a permis, comme bien d'autres occasions offertes par l'École supérieure du spectacle du Forum du Mouvement, de démarrer une carrière professionnelle avec un CV déjà bien rempli. La presse a parlé de la première comédie musicale totalement française et proposé au public de découvrir Vanny.